Coucou mes petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit que je vous ferais un retour sur la dernière toile que j'étais en train d'effectuer en collaboration avec la boutique DP Club. Donc vous le savez, vous avez vu plein de vidéos, vous avez vu ma vidéo unboxing, donc j'ai un partenariat avec la boutique DP Club. Et donc dans ce premier colis que j'avais réceptionné, j'avais 9 articles et j'ai donc terminé par cette toile. Donc les 8 autres articles, je vous les ai déjà présentés dans les vidéos précédentes, hein, je vous ai donné mon avis. Et du coup, aujourd'hui, je souhaite vous donner mon avis sur cette toile. Donc c'est une toile en diamant carré. Honnêtement, j'ai adoré la faire. Franchement, vous pouvez voir là, hein, le rendu, elle est juste magnifique. J'avais un peu peur par rapport à la taille, puisque c'est une. Alors, elle est vendue pour une 40 par 50, mais elle fait 35 par 45 cm. Mais du coup, ça va, parce que honnêtement, il y a un seul personnage. Avec bon les ballons, mais sinon il n'y a pas trop de détails, il y a des dégradés de couleurs, les couleurs sont juste splendides, les diamants sont super bien taillés. Honnêtement, je n'ai eu aucun problème. Je vous la rapproche un peu pour voir au niveau des diamants, donc la qualité des diamants. Alors bien sûr, il y a quelques petits espaces, mais honnêtement, vraiment, vraiment rien d'important. Moi, j'ai vraiment adoré l'affaire. Ça a été vraiment un plaisir. Donc voilà le rendu, hein, vous le voyez, elle est vraiment magnifique. Donc moi, j'ai pas résisté. Dans mon porte-vue format A2, je n'avais encore pas de DP à l'intérieur et pas encore non plus de DP dans la couverture de présentation. Et du coup, franchement, j'ai tellement adoré cette toile que je l'ai mise dans la couverture de présentation. Je trouve magnifique. Donc du coup, derrière, j'ai collé la toile sur une feuille cartonnée. Donc en format A2, j'ai commandé que des feuilles de couleur noire. Mais là, vous pouvez le voir, ça donne un super rendu avec cette toile en tout cas. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré la faire. Alors, au niveau des diamants, aucun manquant, bien au contraire. Il me reste des diamants supplémentaires pour tous les DMC. Hop, donc je ne vais pas tous vous les énumérer un par un, je vous montre. Mais en tout cas, pour tous les DMC, j'ai des diamants restants. Donc vraiment aucun problème. Et je dis DMC parce que c'est vraiment des DMC. Vous voyez, j'ai le 310. J'ai le 3844, enfin voilà, j'ai vraiment les couleurs DMC, c'est pas des couleurs notées par 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin, etc. Donc je suis super contente parce qu'en plus ils sont relativement super bien taillés, j'ai pas eu de déchets du tout. Donc et ben, ils vont aller dans ma boîte de diamants restants carrés. Et puis je vais les mettre avec un intercalaire DP Club, puisque j'ai eu le plaisir d'avoir la confirmation que mes vidéos avaient plu à la boutique. Et du coup, le partenariat continue. J'ai donc commandé plusieurs articles, enfin choisi plusieurs articles dans la boutique aujourd'hui. Et du coup, donc la personne qui s'en occupe va me les faire parvenir rapidement. Donc je vais pouvoir vous représenter des articles de cette boutique et j'en suis vraiment extrêmement contente. Honnêtement, j'ai fait 9 articles pour eux, 9 articles test. Et honnêtement, les 9, j'en ai été super contente. Alors un petit bémol sur la chaussette, hein, vous le savez, si vous regardez mes vidéos, vous l'avez vu. J'ai pas super super accroché sur la chaussette à coudre par rapport à la matière en fait, hein, tout simplement. Mais honnêtement, à faire une fois, c'est quand même super agréable. Donc je vais pas mettre une mauvaise note juste pour ça. Honnêtement, c'est pas voilà. Après, en plus, c'est mon avis à moi, hein. Moi, j'ai pas aimé la matière, mais
peut-être que certaines d'entre vous aimeront cette matière. Donc franchement, voilà, c'est juste mon avis personnel à moi, parce que l'article est très bien confectionné, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, bah, en tout cas, je suis très très fière que ce partenariat continue. Et donc bah, j'attends le colis, et quand j'aurai reçu le deuxième colis, eh ben, je vous ferai à nouveau des vidéos de présentation de leurs articles. Donc j'ai pas pris des articles que j'avais déjà pris la dernière fois. Donc du coup, je vais pouvoir continuer de vous présenter cette boutique qui, honnêtement, pour moi, vaut vraiment le coup. La boutique DP Club, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un peu comme GBFKE. Franchement, il y a aucun souci là-dessus. Moi, ils ont mon entière confiance. Franchement, regardez-moi ça. C'est pas toujours évident d'avoir des diamants carrés bien taillés avec un rendu de toile dans ce format-là magnifique. Et là, franchement, je suis vraiment, vraiment pas déçue. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que j'ai publié petit à petit des photos sur mon groupe Facebook de ma réalisation. Et en tout cas, elle a l'air d'avoir bien plu. Donc en tout cas, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Que ce soit les couleurs, le rendu, les diamants, tout était top. Ça colle super bien. Vous voyez, j'ai même pas eu à la vernir. Hein, et elle est dans mon porte-vue et elle est au top du top. Voilà, et bien écoutez, c'était donc la présentation du dernier article que j'ai réalisé avec la boutique DP Club, et franchement j'en suis super contente, et puis eh ben, on se retrouvera donc dans des prochaines vidéos avec encore plusieurs articles qui sont sur le point d'être expédiés aujourd'hui, et donc que je pense recevoir dans à peu près une dizaine, quinzaine de jours maximum. Donc je vous ferai le petit unboxing, et puis pareil, hein, je réaliserai et je vous donnerai mon avis sur les prochains articles à recevoir. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très très vite. Bisous bisous mes petits cœurs.